Hey, salut à tous, on se retrouve sur Ranch Simulator avec Fredo, le Evil Derf. Comment il Salut, va? salut! Comment allez-vous? Bah écoute, moi ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez enfilé vos bottes et votre tenue de cow-boy. C'est parti pour le Ranch Simulator. Alors aujourd'hui, on a pas mal de taf, on a tout préparé. On va aller jeter un petit coup d'œil aux cochons, comment ils vont? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont couchés? Pourquoi il y en a qui bougent et pourquoi ils sont couchés les autres? Bah arrête! Rien. Et Vilderf, qu'est-ce que t'as fait? Quoi, j'ai rien fait. Quoi? Ah, je t'entends rigoler! Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Tu les as butés ou quoi? De quoi? Mais ils sont tous morts! Enfin, il en reste quelques-uns qui sont vivants, mais pourquoi les autres sont morts? Ah bah c'est pas moi, hein, parce que moi j'ai le droit de tous buter. Ça m'étonne pas de toi! Mais ils sont... Il y en a combien de vivants? Il y en a un de vivant? Qui bouge là? Ah bah ils doivent être tristes. On devrait les tuer les autres. Ben, ils sont déjà morts. Non, mais les autres, Non, là, pas ceux ils. qui sont vivants, laisse-les tranquilles. Attends, ils vont être tristes, ils ont perdu leur maman. Mais non, t'inquiète, ils vont grossir, ils vont. T'inquiète, ils vont vite oublier ce qui s'est passé. C'est quoi ce délire là? Mais je sais pas. 3, 4, il y en a Ah, ils. 4, 5. Ah, il y en a quand même quelques-uns encore de vivants. Ouais, il y en a 4 ou Mais. 5. Tu crois que c'est parce qu'on s'est barré? Je sais pas. Ils ont à manger quotidiennement. Why? Bah moi je vois moi je vois des dollars. Hein. Ah ben là, je vois pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus. Hein. Amène la voiture, les glacières et. Mais heureusement que j'ai chassé, con. Ben ouais, bon, on va aller acheter le poussoir et le hachoir. Ben moi par contre je suis un peu On a dégoûté. des œufs? Tu vois, financièrement, j'aurais préféré, comment dire, ne pas acheter le truc pour tuer les cochons, hein. Ben ouais, parce Donc que là je comprends pas. Alors est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une sorte d'épidémie que ben peut-être que c'est dans le jeu, c'est prévu comme ça, qu'il y a une épidémie, ils sont tous morts, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il en reste. c'est de la grippe porcine ou quoi? J'en sais rien. Mais c'est bizarre parce qu'il en reste, ben là il y en a 5. Alors après, je sais pas si on a des femelles ou si on a que des mâles. On verra quand ils vont grossir. Mais heureusement que j'ai. Combien on a sur le compte? On a 1000. On devrait pouvoir. Bah Ah ben toi, t'es écoute, assez moi ce que je pour. te propose, on tue tout, on met tout en glacière, non du tout, on transforme tout en viande, on met tout en glacière, et du temps que je transfase tout dans la cuisine, au pire des cas, où tu veux le faire, et moi je vais Ouais, chercher le on va faire ça. hachoir, comme ça on verra. Ben, tu vas montrer déjà. Après, c'est vrai que faudrait regarder. What? Tous les morceaux de viande que ça fait! Un cochon! Mais il y en a Ah combien? oui, mais ça en fait. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, pardon. Après, il y en a 13, 12, 14, 13, 15, 16, 14, 17, 15, 18. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 morceaux. 26 morceaux, un gros porc! Bah on aurait dû les buter avant. Non, laisse-les mourir tout seuls, les pauvres. Déjà que ça me fait de la peine de les voir morts. Ah ta merde, Par contre, c'était ils sont tous. Chorizo qui était mort. On s'est baladé ensemble et tout. Combien y en a alors les petits? 6. Merde, Chorizo. Merde, je me suis trompé. Mais merde, Chorizo. Moi je l'aimais bien, Chorizo. On s'est baladé ensemble et tout. Je lui parlais. Je suis triste. Chorizo, moi. Bah moi quand je voyais sur Izio, je voyais des billets de banque. Hein. Oui, ça, je me doute que toi, tu as des billets de banque. Ingrat, t'as pas de cœur. C'est pas gentil. C'est pas que j'ai pas de cœur, c'est que. Bon, après, c'est vrai que. Voilà, quoi. Le but, c'est de faire du bénéf avec les cochons. Ça, c'est sûr. Directement, je suis content que tous les gros sont morts. Ouais, les gros, tu me diras, au moins ça va nous faire de l'argent, mais bon. Et mais, on aura assez de place dans les glacières, là. Et on fera des allers-retours. Hein. Parce que je remplis depuis tout à l'heure, mais. Alors, toi, t'es un âne, t'es pas un cochon, t'es un âne. Pourquoi il a faim et il a soif?
Ah, il s'est coincé ce con, bah, il va crever, c'est pas grave. Bah, essaye de le. Parce que l'autre, il est comment? Lui, il est bien? Non, mais moi, à mon avis, c'est une épidémie. Bah, ça y ressemblerait. Merde, mais lui, il va crever, hein. Il s'est coincé, cet abruti. Mais oui, mais il est con en même temps. Et en plus, il y a la bouffe à côté, il mange pas, quoi. Non mais non mais c'est quoi ce délire? Putain toute la viande qui en. Après c'est sûr qu'on va faire du bénéf là. Pour un peu qu'il y ait un bon coef sur le porc. Là on se fait pactole. Tout est plein là? Ah ouais. Ah je reprends pas les glaciers. Hein. On va mettre ça. Mais écoute, on commence à. Je vais prendre une glacière, je vais commencer à aller dans la cuisine. Et voir. On les étale sur le plan de travail au pire des cas. Ouais, mais bon, ça va prendre de la place. Non, mais une seule glacière. Attends, je vais voir si je peux les mettre là, les bouts qui restent. De toute façon, il ne reste pas énormément. Bon, de toute façon, il va nous falloir. On va poser le matériel là sur le truc. Donc, on va mettre les glacières ici pour l'instant. Mais tous les autres morceaux, il va falloir les. Ou on les vide les. Non, je suis en train de gérer là. Non, mais il faut bien qu'on les mette quelque part les morceaux. Mais je suis en train de gérer. Puis elle est la remorque. Ouais. Ah oui, putain, faut que j'aille chercher l'appareil. Mais tu veux pas que j'aille le chercher, comme ça au moins ils voient. Si, mais il va falloir virer toutes les glacières et le port. Le port qu'il y a là, hein. Normalement, ça va le faire, hein. Je vais pouvoir tout mettre dans le véhicule. Pauvre cochon, pardon, excusez-moi, j'en tousse. Je passe à me pauvre petit cochon. Il y en a. Ah ben, il est mort, celui qui. Merde. Le pauvre petit cochon. T'as entendu? Oui, j'ai entendu, oui, le pauvre. On fout. Le mouffou. Le pauvre. Sans cœur. Le billet de banque. T'es un sans cœur. Non, c'est juste un billet de banque sur pattes. T'es un sans cœur. Bon, j'ai entreposé déjà de la viande là sur le plan de travail. Je dis aux gens, hein, il faut jamais s'acoquiner d'une bête. Qu'est-ce qu'il fait? Va tuer le porc qui s'est coincé. Ouais, mais c'est ce que je comptais faire. Tiens, je vais passer par derrière. Si je peux passer. Ça passe, tu crois? C'est quoi le délire là? Et c'est passé où? Ils sont où les morceaux de viande? Mais les morceaux de viande, je les ai pris, je t'ai dit. Non, mais celui qui était. Mais je les ai tous pris. Non, mais je te parle pas de ça, moi. Pourquoi il m'en a donné qu'un seul morceau? Attends, ne me dis pas que c'est allé se foutre sur le toit. Mais non, c'est un bébé. Il y a qu'un seul morceau, les bébés. Mais c'est un bébé, ouais, ils ont qu'un seul morceau. Lui, il était tout petit, il avait pas eu le temps de grossir. Donc il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5. En espérant qu'on a des femelles à travers et un mâle. On va faire ça dehors. 2. Hein. De quoi? Qu'est-ce que tu vas faire dehors? Je vais à une étable après, mais de toute façon j'ai du bois. T'es où? Mais tu veux mettre les tables là? Oui. Oh, pourquoi on le fait pas dedans? La cuisine elle est grande. Ouais, mais à la limite. On s'installe dedans pour faire ça. Bah trop tard. Voilà, il y a deux tables. Ce sont du bois, j'en ai. On les mettra là. Tu veux mettre ça là ici?
Ah, les morceaux, tu voulais? Mais ne les mets pas par terre. C'est pour ça que je les avais mis dans la cuisine. On peut faire ça dans la cuisine, hein, tranquille. Il y a le réchaud et tout. Il y a la plaque. Pas besoin de plaque pour les écorcher. Et... Ah, mais oui, c'est vrai, oui, exact, t'as raison. Par contre, on a pas mal d'œufs là, non? Oui, on va ramener les œufs. Mais tu veux le faire là, ici? Bah oui. Le morceau qui restait là, il est où? Quel morceau qui restait? Les glaciers, on les met là par terre? Après, tu vas soupçonner que je les ai butés. Je les ai pas butés. Oh non mais je te connais. Moi, il y en a une tout à l'heure quand je lui ai ramassé son œuf. À mon avis, il devait être fécondé. J'avais envie de la buter. Elle t'a attaqué? Il y a une poule, je lui ai ramassé son œuf et ça lui a pas plu. Elle est en train de m'attaquer. Attaqué par un œuf. T'es Attaqué sûr par ou une. pas? Eh bien on y va, ouais, allez go, c'est parti. Niveau essence, t'es comment? Niveau essence, je suis à la moitié du plein, ça devrait suffire. Ok, impeccable. Alors pour vous expliquer, tout à l'heure on est allé chasser hors caméra. On s'est fait attaquer par deux loups qui étaient en train d'attaquer des biches. Et il y avait des ours aussi. Donc on avait la totale, les trois animaux au même endroit et on s'est fait attaquer et ça a été moins d'une qu'on se fasse tuer tous les deux. Vas-y. Donc on a besoin de quoi là? Alors, Casserole. Bonjour madame. Ah, vous êtes pas sur le portable aujourd'hui? à mon avis, ils l'ont enlevé, quoi. Tu crois qu'elle boit quoi? Du café ou du chocolat? Elle doit bien se faire chier quand même, hein, toute seule. On peut pas la tuer. Mais non. On prend quoi? Une, deux casseroles? Et on peut pas la tuer. Eh, on prend quoi? Deux casseroles? Eh, regarde la balle, ce qu'elle fait. Oui, mais oui, c'est bien, mais on prend quoi? Deux casseroles? Ouais, deux, ça suffit. Ils sont à combien les trucs? Alors, 199 euros le hachoir à viande manuel, donc on va en prendre un. Poussoir à saucisse manuel, 235. Ouais, Sachant que ça les va. autres. Oh, enculé, ils sont chers. Hein. Oh! Hachoir à viande électrique, 1435. Ouais. Hachoir à. Poussoir à saucisse électrique, 999. Ouais, 1000 quoi. On va se détendre là. Pour du con. On va attendre, hein. On va attendre avant de s'équiper correctement. Je crois qu'elle est amoureuse, regarde. Glacière, on n'en rachète pas pour le moment. Donc ça nous fait un total de 566 euros. Ouais, ben c'est moins cher ici qu'à la cacaillerie. Ah bon? Ah non, c'était le même prix. Non, je dis une connerie. T'as vu, elle est amoureuse. Ouais, mais elle te regarde amoureusement, tiens. Ah, elle te lâche pas du regard. Hein. Et la coquine. Mais arrête de lui tirer dessus, tu utilises des balles pour rien. Mais, viens dehors, il y a un chevreuil. Pour recharge. Au lieu de tirer là sur le. Inutilement là. Il gaspille des balles pour rien. Il est où le chevreuil? Mais il s'est barré à mon avis. Non, il est là. Bonjour, mamie. Bon, j'ai quoi avec. Ah ben, elle fait de la place. Mais sur les caisses. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu viens avec la voiture? T'es où? Et je l'ai buté la bombe. Allez. T'as vu qu'ils vont faire peut-être un barbier là derrière? Ah bon? Ouais, mais je crois qu'il y a un genre de truc de barbier. Où ça? Derrière? Ah oui, je vois une petite cabane, oui, au fond. Mais tu sais, c'est un peu comme dans Skyrim, comment dire, les trucs où tu peux changer d'apparence. Ça va T'as là-haut? vu? Dans le jeu, tu peux pas changer Ah d'apparence. ouais, Barbie.
Barbier, vêtements. Mais c'est peut-être en prévision des moutons et des chèvres qui, hein. Peut-être qu'avec les moutons, on pourra faire de la laine. Vêtements. Et vendre des vêtements et des trucs comme ça, hein. Mais il n'y était pas ce bâtiment avant. Ouais, mais ce sera pour une future. Attends, on est où là dans la map? Ah oui, je vais vous montrer le chasseur vite fait. Eh ouais! Tout ça y était pas avant. Tiens, tu montes le tuner? Attends, je regardais sur la carte, je montrais où c'est qu'on était. Non, c'est toi qui a halluciné, c'était déjà avant. T'es sûr? Oui. Et là, quand on monte cette colline, justement, derrière Ah, c'est ce qu'on montrait quand on regardait l'emplacement où tu voulais mettre ta maison en fait. Ouais, que je te disais là, le chasseur, la quête, normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est au mois de mars. Au mois de mars, elle devrait se débloquer. Ah, c'est pour Et c'est bientôt. la quête du fusil de chasse. On aura un fusil à la place du flingue. Ouais, il va y avoir sûrement des nouveaux trucs qui vont se rajouter. S'ils commencent à Et... parler de quêtes, ça va être sympa. Tu sais, c'est vachement joli, c'est. C'est ça la fameuse maison? Ouais, bah, il y a un disque à récupérer, je crois. Ah bon, on va aller voir ça. Et le disque, il est sur la table. Et c'est celui-là. C'est qui lui? Oh, celui-là, je vais kiffer. C'est Tu qui vas lui? voir. Lui, c'est... Jacou le croquant. Mais regarde! Il y a un sac à dos, les cartouches, le fusil, bon, le disque. Oh, Et il y a mais... des jumelles et tout. Oh, regarde, il va avoir peut-être des... Regarde. Regarde l'oiseau. Putain, ça, ce serait le top, ça. Je crois qu'il meurt l'oiseau. Mais non, mais il est déjà mort, c'est une empaillée. Voyons pour Il voir aussi. Hein. Oh, il y a une cible. Ben oui, c'est ce que je voulais voir, si on pouvait tirer sur la cible, si ça faisait des impacts. Non. Non? Ah, il y a une pièce cachée, regarde. T'as tiré où? Ah, mais les impacts, ils y étaient déjà. Ouais, moi j'ai tiré au mieux, je Et là, ça cherche. s'ouvre pas. Ouais, il y a une Hein? pièce là derrière. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer parce qu'il y a une pièce. Hein. Ouais. Bon, elle est vide. Je vois par la fenêtre, elle est vide pour le moment. Mais il y aura un truc qui va se débloquer, à mon avis. Ouais, c'est peut-être la piole du chasseur. Mais écoute, pour le moment, elle est pas là. Bon, mais là il est 10h39. Ouais. On verra bien. Donc, Oh. pourquoi deux gamelles? Le temps qu'on tourne la saucisse, on peut mettre l'œuf dedans et... Ben c'est surtout que du temps que prépare le hachoir. L'autre peut attraper, mettre la saucisse, l'œuf Oui. dedans. Oh, tu t'es pris dans. Tu t'es cru dans Shérif et moi peur toi ou quoi là? T'es un duke. Et tu vois, tu vois. Alors je sais, ça ne nous rajeunit pas tout ça pour les anciens, vous connaissez. Les nouveaux, à mon avis, Shérif fait moi peur, vous connaissez pas. C'était deux frères complètement tarés avec le général Lee, notre chargeur orange, avec le drapeau dessus. Après moi, ça reste quand même jeune pour moi. Ah, avec la petite Daisy, ouais. N'allez pas me dire que tous ceux qui regardaient la série, vous regardiez pas la série pour Daisy. C'est Qui quoi ça? était sérieusement charpenté. Tu la vois se taper son délire là, la remorque? Non? Bon, moi je vois des trucs là. Ça s'appelle prendre de la drogue, ce que tu me décris. C'est de la bonne, hein, que tu dois prendre, parce que moi je vois pas la remorque bouger. Elle est où déjà la remorque? Elle est où la drogue? Elle est où la remorque? Allez. Tu les as mis où les gamelles et tout ça? Alors on s'est préparé un petit coin derrière là pour cuisiner. On les met derrière? Quand je dis cuisiner, ça me fait penser à ce que je disais dans le premier épisode que tu me fais penser à Heisenberg,
ton personnage. On va cuisiner de la mette. Donc, parlons-en, parlons peu. Si tu te poussais, comment veux-tu que je passe si t'es devant mes pattes? Petite question. Faut le mettre dans quel sens le poussoir? Ça tombe de quel côté? Pose. Attends. Jette-le par terre. Mais non, mais oh, si je le mets comme ça va tomber sur la table, non? Ouais, non, mais c'est pas bien. Mais on s'en fout, c'est pour que Mieux ça reste sur la table, c'est dégueulasse, ça tombe dans l'herbe. Après, tu veux vendre ça, tu sais. Mais le problème, c'est que ça va s'empiler. Et Je alors? t'inquiète. Ça, ok. Les œufs, il faut des œufs pour faire la prépa. Moi, ce que je te propose, on prépare tout là. Il est 21h17. Bon, tu sais quoi, on va dormir parce que s'il y a un petit C'est ce train que j'allais là. te dire. Alors Si. déjà, je vais pousser ça comme ça. Et il me Ok. prend le panier. Remets le panier. Mais pourquoi tu veux le panier? Mais parce qu'il y a des œufs. Ah. Moi, je vais repasser en vue normale. Parce que à la première personne, c'est. Au bout d'un moment, ça donne envie de. Ça me donne envie de Ah, rentrer. t'avais pas vu la technique? J'ai vu, j'ai filmé, t'inquiète. J'ai vu le truc. Bon, alors les poupoules, vous commencez à me saouler, c'est pour ça qu'on va préparer un poulailler aussi. Donc on va se lever. On va attaquer la viande pour se faire du bénéf un peu là. Je vais juste aller voir les cochons comment ils se portent. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui sont morts. Avant d'aller au dodo. Il reneige, comme d'hab. Il neige constamment dans ce jeu. Ah mais par contre, pour voir les œufs quand il neigeait là, c'était une misère. Ah oui. T'es pas mort toi? Alors, lui, il est pas mort. Il dort. Alors, est-ce que avec une balle, t'arrives à vivre? Lui, il dort comme un bienheureux. Ah ben c'est bien. Et tu Il est crois sur le que côté, ça c'est mal, je dirais. si je lui mets une balle Mais dans la non, arrête! Putain, mais il veut tête? me tuer tout, lui. Mais ils sont tristes, les pauvres. Et pourquoi ils sont tristes? Eh, mais moi je me pose la question si c'est une femelle ou un mâle, ça. Ben si elle a pas de trou, je vais en faire un. Laisse-les tranquilles. Les pauvres, ils ont déjà perdu leur mère. Arrête! Tu vas arrêter, oui. Elle est pas très claire, l'eau. Et donc tu m'as dit que ça se remplissait automatiquement tout seul dès que c'est vide. En dehors pour que je te bute. Mais laisse-le tranquille, le pauvre. Mais c'est pas possible, ça. Hein. T'es obligé de fermer derrière toi? Mais j'ai pas fermé, j'ai ouvert. Bon, allez. Les amis, on va dormir. Comme ça, on enregistre en même temps, en cas où il y a un bug. Et puis, on va s'occuper de la viande. Bon, allez. T'as ronflé cette nuit, moi, je trouve. Boum! Allez, on est reparti. La viande, tu vas la laisser là pour l'instant ou... Pourquoi j'ai la lumière allumée, moi? On se lève avec un beau soleil. Ça va, les petits cons? Alors, comment que ça se passe pour le porc? Donc, on va prendre. Ah ben, j'ai eu raison. Oh, il est mignon celui-là, viens voir. De quoi? Viens voir. Mais t'es où? Sur la cage. Il y a un petit poussin. Ouais. Il est blanc et noir, viens voir. Ah oh, oui, je le vois, ouais. Il est tout mignon. Tu crois que si je lui mets une balle, il Arrête! va. Mais c'est pas possible, toi, hein. Bon, tant Oh, pis. je vais t'enlever le pistolet et la hache, toi. Parce que tu coupes du bois constamment. Ah mais par contre, si tu le descends pas, il va mourir. Hein. Tu restes en haut, tu mangeras pas. T'as entendu? Ah mais c'est manuel! Bah oui, c'est manuel.
T'as le panier? Oui. Alors, tu mets l'œuf dedans. Ouais, je veux bien. Si j'arrive à ramasser un œuf. Pourquoi je peux pas ramasser un œuf? Parce que moi, je viens de le faire. C'est pas grave, je le mets dedans. Regarde. Donc, alors, vous avez vu, il faut tourner la manivelle, ça fait la viande. Vous mettez l'œuf. Prendre le produit E. Alors, non! Pourquoi? Parce que maintenant, c'est pas, tu peux plus faire de la saucisse. Mais c'est quoi ce délire? Il faut faire quoi alors? Il faut prendre le truc complet, quoi. Bon, mais il y en a un qui. Comment ça? Faut prendre la gamelle? Faut prendre la gamelle? Faut prendre la gamelle. Un œuf. Sur la Pour gamelle. ajouter E. Voilà, ensuite tu prends la gamelle. Tu prends la gamelle. Tu le mets dans le truc à saucisse. E. Tu es obligé de le jeter par terre, la gamelle? Ah mais ça se fait tout seul? Eh ben, faut le tourner. Tu crois quoi, toi? D'accord. Ok, bon vous avez vu. Et la saucisse, on va la ramasser. Ouais, par contre, tu vois, la saucisse qui tombe par terre, c'est pas très hygiénique, moi je trouve. S'en fout, c'est pas Et on la met nécessaire. à sécher. Ouais, mais ce serait bien de mettre une table là. Attends, ça tombe par terre, c'est dégueulasse. Eh ben, on n'a pas fini. Oh là là, il faut tout faire manuellement. Bah écoute, mets-toi sur le côté là, de ce côté. Allô, Wilderf? Oui, je te mets Mets-toi sur ici. le côté. Moi je m'occupe du hachoir. Ou tu veux t'occuper du hachoir et je m'occupe de la saucisse et après je les mets à sécher. Ça marche. Allez. T'as mis l'œuf? Et attends. Mais active. Bon, du temps que tu fais ça, j'avais un morceau qui était tout seul. Ah, tu l'as pris le morceau de porc qu'il y avait là-bas? Ok. C'est bon, c'est prêt ça? Ouais, ben les deux, j'ai appuyé sur E. Hop. Alors, c'est long, hein? Ouais, je vois ça. Bon, c'est mal foutu là. Tac. La saucisse. Ah mais tu vas vite, toi. Ne pas que ça fait à rentabilité. Ah merde, je me suis gouré. Bah tant pis. Tiens, ramasse. Tiens, je te donne ça. Je me suis trompé. Et après, il râle parce que j'ai fait une boulette. On a chacun fait une boulette. Hein. Chacun ses boulettes. C'est plein? Tu devrais la mettre sur le côté, le truc, le panier à œufs, là. Mais l'eau dans l'appareil, je m'en occupe. Mais un seul! Il n'y a pas de bouffe dedans. Mais si. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Ce qu'on va faire, on va faire une petite ellipse. Comme ça, on prépare tout ce qu'il y a à préparer.
Et on se retrouve tout de suite une fois qu'on a préparé toutes les saucisses. Ok. Allez, c'est parti, à tout de suite. À tout de suite. Allez, on se retrouve après ce petit la petite ellipse. Donc on a pas mal bossé au niveau charcuterie. Donc on a déjà 4 salamis œufs qui ont déjà affiné, qui sont déjà prêts. Ici on en a encore qui est en préparation. Il nous reste une caisse de cru. Ici c'est en train de s'affiner, comme vous voyez, on est à 57% déjà. C'est long. Je peux vous dire que c'est long, c'est du boulot à préparer. Il nous reste encore 3 caisses avec du porc cru. On a marronné sévère. Plus en attendant que ça se fasse, bon, on a commencé à préparer ici. Vous voyez, on a mis les 50 bois qu'il y avait. Ici, on a aussi préparé. On a déjà mis 100 bois. Ici, on a commencé à préparer. On a coupé tout le bois. On a fait une petite modif à ce niveau-là. On a mis les. Putain, mais ils ont déjà bouffé et tout, les poules. Fredo, je sais que tu es au niveau du magasin. Alors, malheureusement, saucisse de bœuf, bœuf et viande de gibier 1,5. Ouais. Donc, je vais. Et on n'a plus de glacière. Ben non, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir acheter de la glacière. Je vais racheter 3 glacières vite fait. Ouais, comme ça, ça nous permettra de. Quand tu vas chasser. Je vais chasser, hein, le gibier, il atteint 1,5. Ouais. Alors, je vais me speeder parce qu'il est déjà 10h40 dans le jeu. Donc, je vais me speeder, je prends 3 ou 4 glacières, je me dépêche. Ouais, je suis en train de me battre avec les poules qui n'arrêtent pas de me re-rentrer dans le poulailler parce que je veux ramasser les crottes. Et elles me reviennent toujours dans ce poulailler. Elles ne peuvent pas d'ailleurs, tu sais. Donc, il faut qu'elles viennent ici. Après, comme je dis, c'est quand même relativement un jeu qui est chronophage. Ah non, mais c'est pas ça, c'est les poules surtout qui me saoulent là. Oh, mais c'est pas vrai. C'est toujours la même chose. Ok, on a besoin d'œufs pour les préparations, mais elles sont chiantes tout le temps de revenir dans le poulailler et de venir se foutre toutes ensemble là. Laissez-nous tranquille. On doit ramasser les caca. Vous avez pas piétiné dans le caca. C'est dégueulasse. Mais elle va y retourner, tu peux y aller. Je sais pas ce que c'est qui les intéresse, il n'y a rien, il n'y a pas à bouffer dans le truc. Regardez-les, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, vraiment tout ce qu'il y a. Et elles veulent tous y aller. Et ben allez-y, c'est bon, c'est propre. Elle aussi, là, qu'est-ce qu'elle fout ici? Restez dehors. Laissez. Mais c'est pas possible ça. Comment voulez-vous que je vous nettoie le poulailler si vous êtes tout le temps dedans? Là, ça vous va? Allez, je peux y aller. Ici. Putain, elles ont déjà mangé le truc. Elles ont pratiquement plus d'eau. Je vous jure. Je sais pas si vous jouez au jeu. Mais je vous jure que les poules. Ici, il n'y a plus d'eau. Il y a des pignons vite fait là. Ouais, ouais. Il faudra racheter de la graine pour les poulets parce qu'ils mangent tout. Et là, oui, je prends le. Ah non, je ne prends pas le. Il n'y a plus rien. Mais tu as de la viande de volaille. De la viande de volaille. De la viande de. Je vais y arriver. De gibier ici, si tu en veux. Et il faudra des graines. Il n'y a plus de graines. Alors, comme je disais, hein, je vais à mon point de chasse favori. Ah, au niveau des. Alors, ici, tout à l'heure, j'avais trouvé le coup. Mais il faut croire que j'avais trouvé. Et que ça fonctionne plus comme ça marchait. Ah d'accord, ok. Allez. Allez, monte.
mais quelle galère. Bon, vous avez vu, on a un peu coupé du bois. Un petit peu. Même petit peu. Juste ce qu'il fallait. Elles arrêtent pas de bouffer. Bon, du coup. Il ne reste plus que 6 graines dans un des mangeoires. Bon, du temps que les Wilderf, tu chasses un peu, je vais commencer à préparer le nouveau poulailler. Oh, je suis mort. T'es mort. Alors, je te demande pas de me réanimer, reste là, je vais... Comment t'as fait ton compte? Ben, je suis mort. Un ours. Ah. Donc, j'arrive tout de suite... Je vais rechercher le véhicule à pied. Ouais, mais il me dit que t'as quitté le jeu. Je sais, mais j'arrive. Je suis obligé parce que sinon tu dois venir me réanimer, donc c'est compliqué. Vu où je suis, je préfère y aller à pied, j'ai l'habitude. Ah merde, j'aurais dû ouvrir dans l'autre sens. J'ai l'habitude. T'as l'habitude ? C'est long. Alors j'espère que je vais pouvoir vite fait y aller parce que j'ai pas envie de perdre de pognon. T'en avais tué un ou pas? J'en avais tué deux, trois. Et il y a le quatrième qui est arrivé. Ça disparaît pas de toute façon. Non. Et normalement j'en ai vu cinq ou six. On aurait dû y aller à deux. Oui. On aurait dû y aller à deux. Tant pis. C'est vrai que mon coin des ours, là, c'est le bon petit coin. Là. Ah bah, à chaque fois, on en trouve, de toute façon. Ouais. Alors, par contre, je vais recharger. Ah, tout à l'heure, là, quand je disais qu'on s'est fait attaquer par les loups... qui était en train de chasser les biches qu'il y avait, et en plus il y avait des ours. Et quand ils sont beaucoup, on se fait buter tous les deux. Hein. Ah ouais, non, mais s'il y a le malheur d'avoir un loup qui te repère, ah, les deux ils t'attaquent, ils cherchent même pas à comprendre. Hein, et puis alors quand ils t'attaquent, ils font pas semblant. Ouais, j'ai remarqué. C'est un truc de malade. Hein, c'est bien fait dans le jeu, mais je trouve que... Ils attaquent, ils cherchent pas à comprendre, ils te sautent dessus. Si t'as pas le chargeur. Si t'as pas rechargé, que t'as pas le temps de recharger, ils te sautent dessus, c'est fini. T'es vite mort. Bon, en même temps, j'aimerais pas me faire attaquer par un loup, mais bon. donc, ici, il faudra 52 de métal pour le gros. Et il faudra. Ah, mais t'en as déjà mis un petit peu. Ok. Question. Fera le fer un petit peu plus tard. Deux. Pour les poulaillers. Parce que là, moi j'aimerais bien dans l'avenir dégager le vieux poulailler, dégager le vieux hangar et commencer à monter le squelette des vaches. Le squelette du hangar pour les vaches. Juste manière de se donner une idée, la place que ça va prendre. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les cochons. Oh, les cochons, ils rosissent. Oh, bah t'es bien beau, toi. Ça grossit, les cochons. Ça va en perdre la viande, tout ça. Un poulet. Ah ouais, mais là, Mais tu vois, on a que des mâles. On a que des mâles. Il va nous falloir des femelles, hein, poulet. Ça, c'est encore un mâle. Ça, c'est encore un mâle. C'est bien ce que je disais. Il y a 4 mâles. Mais ils se portent bien. Ils mangent bien. Ils boivent bien. Oh, en parlant d'eau, il va falloir que je remplisse incessamment ce pneu. En eau. Ouais, il va falloir que je remplisse. Allez. Ma mission. Ah, on en a 5. Il y en avait 5.
De quoi les cochons? Ouais, comme par hasard, que des mâles. Que du mal. On n'a vraiment pas eu le mot, là. Ouais, donc, ouais, on a que des mâles en fait. On a que des mâles. Par contre, moi, la chasse, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Alors, j'ai préparé le poulailler, je sais pas si tu l'as entendu tout à l'heure, poulet. Il manque un peu de le faire. Par contre, dès que tu as 5 minutes, si tu M'appelle peux. pas trop poulet parce qu'ils vont croire que le poulailler c'est pour moi. Oui, je disais, si tu as 5 minutes, tu pourrais. Non, pas ça. Il y a Kevin derrière qui comprend ce que j'allais dire. Bon, on va éviter d'être. Je ne comprends pas. On va éviter d'être vulgaire dès les premiers épisodes. Je remplis l'eau là pour les cochons. Mais bien sûr. Putain, mais cette manivelle, elle est bidon. Et moi, pendant ce temps-là. Ouais. Non, 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 non. Je remplis l'eau au cochon. En attendant. Ah ben vous avez l'air de bien. De passer une bonne vie là ici. Vous engraissez, mais quelque chose de dingue ça. Hein? Pour du con. Ils grossissent, mais c'est un truc de dingue. T'as l'impression qu'ils grossissent à vue d'œil. Ça va me faire des morceaux de viande dans tout ça. Non, 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 c'est pas possible ça. Quoi, c'est pas possible. Ouais, j'ai coupé l'arbre, c'est pas grave. Tu bêtes. Mais non, t'es pas bête. Tu peux pas être à ton maximum tout le temps, c'est tout. J'étais vraiment coincé de chez coincé là. Impossible de. Oh putain. Là, j'aurais pas eu la hache. J'ai été mal barré. Ouais. Alors excusez-moi, il y aura sûrement un léger petit souci de son. Je n'avais pas vu que j'avais pas le micro juste à côté. Donc vous risquez de m'entendre très bas ce que j'ai dit. Dans un sens, ça tombe bien parce que j'ai dit des conneries. Ça, c'est la faute à Evil Dare, de toute façon. Je ne comprends pas. Ça va, gros. Donc je disais que les cochons, ils ont l'air de bien. Ça a l'air d'aller pour eux. Ils boivent pas tant que ça, les cochons, au final. Ah, il bouffe. Ils bouffent surtout, mais ils boivent pas tant que ça. Alors moi, j'ai remarqué une chose avec les cochons, c'est que plus ça grossit, plus ça bouffe. Ah, mais ça. Ça, c'est comme les gosses. Plus ça grandit, plus ça bouffe. Oh. Mais c'est honteux. Alors au début ça allait, il avait l'air bien comme un gars et tout, il était poli et tout, mais non, mais après il commence à dériver, à dire des méchancetés. Non mais c'est fou, hein. Comment il parle des enfants et tout, oh là là. Excusez-moi. Je suis parti dans mon délire, excusez-moi. Dieu, comment il parle, t'as entendu? Ça me bouleversifie tout ça. Excusez-moi. Je pense que tu es fatigué. Non, tu crois? C'est le massacre de tes cochons? Ça m'a bouleversifié. Je vous avoue. Là. Qu'est-ce que j'en ai marre de tourner cette manivelle? Alors pour info, vous voyez, pour faire tourner la manivelle, comment vous dire que ben, il faut faire des espèces de cercles avec la souris pour faire monter le seau. C'est toute une manip.
Alors que je refasse pas comme la dernière fois, qu'au moment où j'arrive en haut, je sais pas ce que j'ai fait, le saut il est retombé tout en bas, j'étais vert. Enfin, j'étais vert. J'étais dégoûté. Ah, mes petits cochons, comment ça va? Ça grossit, ça se promène? Eh oui! Vivement le prochain massacre! Ben oui! Grossissez, grossissez, ça fera 24 morceaux, chacun. 24 x 5, ça va être bien. Non, mais là, il faut une femelle, hein. Faut que on garde un mâle et des femelles après. On a que des mâles. Tain, on est. On n'a pas de bois. On a chopé que des mâles. Oui, comme tu dis. Bon, on va remplir le seau parce que si on en a besoin urgentement, qu'on se rend compte qu'il manque de l'eau, ça sera fait. Bon, j'ai rempli à fond l'eau pour les cochons. Donc tout à l'heure, j'avais remis des dolces au niveau des grains. Parce qu'en fait, je sais pas si on vous l'a dit, mais il y a juste à retourner voir le silo de temps en temps. Il vous demande, je sais pas moi, tout à l'heure par exemple, il m'a demandé 63$. Et on n'a pas d'argent là pour l'instant, vas-y, détends-toi. Non mais là, il est plein. Donc, mais t'as qu'à me couper pendant que j'explique ce que j'étais en train de dire. Donc, je disais donc qu'il vous demande une certaine somme pour remplir à 200%, enfin à 200 grains. Parce que c'est 200 grains qu'il y a dans le silo. Il vous demande une certaine somme et quand vous acceptez, hop, ça vous débite directement et ça vous remplit le silo à grains complètement. Par contre, poulet, regarde, ça serait pas mal que tu ailles chercher du grain. Voilà. Oh, les poules n'ont plus de grain. Mais tu n'as pas vu ce que je viens de vendre là? J'ai pas vu. Ben oui, parce que tu es... Je le sais qu'il y a du grain. Vas-y, détends-toi. Je viens de vendre pour 1044 de gibier. C'est bien, t'es un bon, toi. Toi, j'ai envie de dire toi, tire à loin. Toi, si les cochons te mangent pas avant, tire à loin. Bon, je pense que... je garde quand même des balles au cas où il y a trop de cochons. Oui, non, mais de toute façon, ils vont mourir au bout d'un moment. Tu fais quoi? Tu prends deux femelles ou... Alors, on va se détendre déjà. Mais oui, mais il y a les salamis qui sont pratiquement finis et il va falloir les vendre et avec ça, ben, on va pouvoir réinvestir. Mais là, plus les cochons qui vont mourir bientôt. Je t'en ramène une parce que je ne peux pas... Une femelle hein? Je te ramène une femelle pour l'instant. Allez, la pauvre, quand elle va rentrer dans la porcherie, elle va avoir peur. Quatre mâles qui vont lui sauter dessus. Lequel? Ce soir... Ce soir dans la porcherie, 4 mâles pour une femelle. Lequel d'entre eux l'inséminera avant? Vous saurez tout ça dans le prochain épisode. Viens prendre ta pété. Ah, moi j'étais délicat et toi non, direct, vas-y, tu vas prendre ta pété. Non mais... Allez, j'en prends deux. Mais où on va quoi? Non mais ça déconne quoi. J'en prends deux, j'irai aller chercher le... Ah, double pété, pardon. J'en prends deux parce que je vais aller chercher... Remarque, 4 et 2, ça fera double peine. Hein. Oh, comment on est. Bon. Oh, mais tu me rends compte. Après les enfants, maintenant, c'est double peine. Mon Dieu. C'est pas possible, ça. Hein. Alors, le cochon, il est plein. Ben, il est affiné. Là, je sais ce que je vais acheter. Un cerveau? Bah non, parce que j'avais pensé justement en acheter un pour toi, il n'y en a pas. Mais là, je vais pas pouvoir les placer, c'est avec les cochons. Alors, vu qu'on manque de glacière, vous voyez la petite technique que j'ai prise depuis tout à l'heure. Je place les saucissons en haut. Alors normalement, je pense que c'est plus pour stocker les fromages et les affiner. Mais comme je n'avais pas trouvé d'autre solution parce qu'on n'a pas assez de glacière pour l'instant, vous voyez, on se débrouille comme on peut. Ça manquerait un petit peu dans cette cuisine de place, je trouve. Elle est bien, le fumoir est relativement bien, mais c'est vrai qu'on peut fumer que 9 saucissons d'affilée.
Donc, comment vous dire que depuis tout à l'heure, je jongle. Dès qu'il y en a de pris, hop, je change, hop, je mets des nouveaux. Et c'est vrai que c'est très, très, très long à faire. Après, bon, ça fait partie du jeu. On a le temps de s'occuper des bestioles. Mais c'est long. Alors, je vais te ramener un petit cadeau. Ah! Je vais le déballer. Moi, je suis comme les gosses. Tu sais, je m'amuse avec l'emballage, je me défais vite. Et puis, en fait. Il est vrai que j'ai jamais vraiment trop essayé ça. Et on va voir, on va voir, on va tester pour tes viewers aussi. J'ai acheté des étiquettes d'oreilles. Ah! Et lui, voilà, et lui, il est arrivé. Je vais y arriver, oui. Allez, c'est parti. Quatrième tournée de, ou cinquième tournée de saucisse. C'est la foire à la saucisse. Attends, mon poulet, je re-remplis le fumoir. Merde, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Hop, je remplis un peu le fumoir là parce qu'il n'y a plus rien. J'en ai pour quelques minutes. Je te mets ça là. Ah! De la glacière. On va pouvoir enfin bosser un peu. Avant qu'il meure, faudrait que tu viennes. Hein. Qui? Les cochons que tu viens d'acheter. Alors lui, il est plein. On va le mettre ici. Mais une, ça suffisait pour le pour faire la rotation, mais bon après c'est gentil de ta part, hein, mais. Je veux dire, garde-toi-en pour si tu en as acheté pour ça c'est vide, ça c'est vide. On a d'autres salamis en préparation. J'ai mis, je vais mettre les deux dernières glacières. Parce que là j'ai trois glacières vides. Ouais, mais là, je pense pas que le Ah mais je prix. suis con moi, attends, mais il faut que je mette celle-là. J'ai mis la glacière à côté de la gazinière. Ok. Peux-tu venir me voir? Je peux. Hop, ça c'est plein encore. On a six glacières prêtes à être vendues. On est parti. Allez, viens. Attends. Je mets dans la glacière vide. Sinon, je te bute. Non, tu recommences pas. Allez, avance. C'est vide ça? Impeccable. Ok. Donc ça c'est plein, ça c'est Alors, vide. D'ailleurs. prends le paquet. Mais je vais le buter. Mais j'arrive! Deux secondes, t'es où? Tu prends le paquet d'oreilles. Ouais. Et là, je vais sortir une truc. Hop. C'est des femelles? Ouais, alors essaye de voir si tu peux. Si tu peux lui mettre un truc sur l'oreille. Oui. Alors, on va l'appeler Peggy. Vu que c'est Non, une femelle. non, chorizo. Mais non, c'est une femelle. Peggy! On va l'appeler côte de porc. Non, c'est Peggy. Ou C'est la bonnet. femelle. C'est la femelle. Et elle, on va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler On va l'appeler avec un couteau. elle? Ou un économe? Alors, on a Peggy. Et elle, on va l'appeler comment? La cochonne? Allez, on va l'appeler la cochonne. Il veut déjà se barrer, ce con. Qu'est-ce qu'il C'est me fait, vrai. lui? Chaune, j'ai dit. Hop! Ben, on est pas mal. Ça, on va le poser sur la table. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, on en aura déjà fait pas mal. Hein? Qu'en penses-tu, mon petit poulet? Et tu le sors pas le. Pourquoi elle se couche, hein? Mais bah, parce Elle arrive, elle est que. crevée. Ouais, repose-toi parce que demain, à mon avis. L'œuf que tu se barres pas. Où tu vas, toi? Repose-toi parce qu'à mon avis, il y a les deux là. Parce Reposez-vous, que les filles. ça, c'est du mal. Parce qu'on a du mal dominant en puissance, là. Et je crois qu'à mon avis, ils vont avoir des amis quand ils vont vous voir. Oh ben, ça va bien se découper. Hein. Ça va bien se couper. Alors, De quoi il parle? les femelles, si ça te dérange pas, on peut leur donner des noms. C'est fait.
jusqu'à temps qu'elle meure. Et les mâles, on leur donne pas de nom parce qu'ils vont finir en kebab. Ben eux, on sait très bien que c'est pour faire du salami. Donc, moi, ce que je vais te proposer, poulet, c'est que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà pas mal avancé. Le poulailler, il manquera plus que le fer. Le salami, il est en train de se faire. Voilà, tout à fait. Les cochons, ils ont à boire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est pas trop occupé de là-bas. On s'est plutôt occupé de charcuterie et d'essayer de faire de l'argent. Mais dans le prochain épisode, c'est ce que je disais à Evildar tout à l'heure, je verrai bien de commencer à faire le squelette pour voir la place que ça va prendre, commencer à faire le squelette là pour les vaches laitières. En attendant, on n'a pas dit qu'on allait s'y mettre et les faire tout de suite, c'est juste pour voir la forme et la taille que ça va prendre, parce que je voudrais dégager le vieux poulailler là qui est juste en face. Dégager le vieux hangar qui est ici, parce qu'en fait, je vous explique, on avait l'intention, on vous l'avait dit là, ici, de mettre les vaches ici, dans ce grand espace, et la place qu'il y a ici, on voudrait faire un hangar pour les prochains véhicules, les stockages, tout ce qui est matériel et tout, faire une sorte de hangar de stockage et hangar pour les voitures. Voilà. Et on voudrait le faire à peu près par là. Et moi, comme je disais à Evilder, c'est con qu'on ait mis le puits là-bas, parce que pour le côté RP, j'aurais bien vu là devant le puits là au milieu, là, ça aurait fait sympa. Ça aurait fait un truc sympa, réaliste. Ici, on tendra plus tard, on arrangera. Et ici, moi je disais à Evilder qu'en face, là, dans le Grand Pré, les chevaux. Et ici, là, en perpendiculaire avec l'usine qu'on a fait, là, enfin, la cuisine qu'on a fait. La partie pour le fromage et le lait. Qu'est-ce que t'en penses, poulet? Ouais, ça peut être sympa. C'est ce qu'on avait dit. Qu'on oui, ferait. Voilà, voilà. Et faire un chemin entre les deux espèces de laboratoires de préparation. Parce qu'après, il faut penser que moi, dans ma tête, il y aura les moutons et les chèvres. Donc les chèvres, je pense qu'on les fera à côté des laitières. Pour faire le fromage aussi avec l'usine à fromage et à lait. Et les moutons, je pense que il faudra leur trouver un endroit où il faudra les laisser paître, je pense, parce qu'ils mangeront l'herbe. J'espère que les vaches, ils intégreront ça, qu'elles mangeront de l'herbe bientôt. Ça serait pas mal, comme ça. Les moutons, ça serait bien, parce que du coup, ils pourraient nous tondre l'herbe gratuitement, quoi. On n'aurait pas besoin d'avoir une tondeuse. Et puis voilà, puis je pense que vu qu'il y a un barbier et que j'ai vu qu'il y avait un logo vêtements, je pense qu'on fera peut-être sûrement de la laine et des vêtements dans le futur. Ça serait pas mal. Si vous m'entendez, les concepteurs du jeu, ça serait une bonne idée. Voilà, voilà. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, ça va être la fin de l'épisode. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bon comme mauvais, on prend, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y avait un commentaire de Mimbila, c'est un des joueurs que vous connaissez qui est souvent sur mes lives. C'est clair que moi aussi j'ai jamais vu des cochons aussi lents, c'est ce qui m'a marqué. On en a rigolé d'ailleurs. Je vous dis, n'oubliez pas de mettre un gentil petit pouce bleu, ça nous fera plaisir, tant à Evildar qu'à nous, à moi, à nous. Vous abonner aux chaînes, la mienne comme celle d'Evilderf, et puis je vous dis à ciao et à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye bye à tous. Allez, ciao.